Le dialogue véritable va commencer vraisemblablement la semaine du 15 juin, mais avant le début du dialogue, nous avons considéré au niveau gouvernemental qu'il y a lieu d'avoir un entretien informel aussi bien avec l'opposition qu'avec la mouvance. Cela permet de régler à minima certains obstacles qui sont sur le chemin du dialogue. Cela permet également que le dialogue se fasse dans la convivialité, dans tout ce qui est question de principe dans notre pays, c'est-à-dire que le domaine de la loi, il faut vraiment le respecter. Et puis, les accords peuvent porter sur un certain nombre de points qui seront discutés lors du dialogue qui va s'ouvrir dans la semaine du 15. Vous aimez beaucoup utiliser le vocable préalable. Moi, je donnais un autre nom à ça. Chaque camp pose des conditions. La mouvance aussi a aussi des conditions à poser. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la logique, ça, c'est le jeu démocratique. Donc, l'opposition a un certain nombre de points qui ont été relevés par nous. La mouvance a un certain nombre de points qui ont été relevés par nous. On a écouté les deux camps. Là, on va proposer un ordre du jour dans les jours à venir pour que le dialogue commence en toute sérénité. Donc, vous serez informés en temps, sur le début du dialogue et sur le contenu du dialogue.